Harry Potter. Ils ont annoncé des DLC ou pas? Je pense sur un DLC Azkaban, je pense. Hashtag teasing, hashtag pré-shot. Pourquoi j'ai une chouette? Moi j'ai demandé un crapaud. Ah non, c'est con, c'était sur le quiz du site ça. Je te jure, Gotash est sur son live, il a fait 2 heures de balai, je suis parti sur une île, il est encore dessus. Mais peut-être il aime trop le balai, moi, je sais pas, frère. Qu'est-ce que vous mijotez? Est-ce que je peux y parler à lui? Je devrais interroger Sirona aux trois balais moi, à propos mort, des gobelins dont elle parlait le jour de l'attaque du troll. Confringo! Expelliarmus, incendio! Expelliarmus, incendio! Action! Incendio, Confringo, Incendio. Vas-y! Ça la réveille pas, elle t'aime bien tes plantes, mais elle brûle! Elle brûle! Ça marche pas. Non, c'est pas grave, j'ai pas le seum. Oh non! Les gars, vous voyez en bas à gauche, les cadenas, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas le niveau pour la suite, frère, non! Je vais devoir explorer ce putain d'école, sauf que je m'en fous. Je m'en fous d'explorer l'école, je suis pas là pour étudier, frère. Niveau 13, 14! Bon, 12, ça va. Attends. C'est quoi ces missions là? Eh, les missions elles sont trop gaises! Éclater des ballons vers la gare de Préolard. Attends, Glacius, un sort de glace! Attends, ça c'est bien ça, non? Éclater des ballons vers la gare de Préolard. La gare doit être là, non? Oh. Est-ce que j'ai sélectionné la bonne mission? Ok. J'ai rien, niveau 30, fini la campagne. Non, mais faut dormir aussi. Faut dormir, wesh. Attends, pourquoi elle bouge? Elle vient de bouger, là. Mais... Arrête de bouger, frère. MLK, un petit streamer, niveau 30-60% du jeu. Bah écoute, ils sont rapides, hein. Qu'est-ce que je te dis? Niveau 30, t'as fini? Non, mais je pense que niveau 30, c'est le niveau max, quoi, non? Qu'est-ce par là? C'est parti! Ah non, c'est 40, ok. Excellent, gros! Batman. Non, perso il a la classe quand même. Ce serait pas le perso de Théo qui ferait ça. Enfin bref. J'ai envie de vous dire anyway. Bah c'est là, non? Ah, ok. Je crois que j'ai capté là, c'est bon. Hop. Vas-y, la gueule des missions, on dirait. Je vous jure, on dirait. Les missions sur Naruto Storm 1, où il faut jouer à cache-cache, c'est Konohamaru. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est insoutenable en vrai. Ah ah ah. Wouh. Plus que 2 ballons. Et après, tu vas jouer au chat et à la souris avec les professeurs à Poudlard. Rebellio. Ouh. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est quoi cette merde? Je sais ce que cela représente. Une épreuve de merde. Eh Merlin, tu nous emmerdes. Bon, il doit bien rester un ballon quelque part, non? Ça se voit, cette merde. Mais... Il est où, le dernier? Il est là, merci. Tu prends les ballons? Non, je les casse parce que regardez, les ballons, les gars. Non, non, non. Les ballons, c'est pas bien. Non, non, non. Et tu vois ça que je dénonce avec ce live en fait. Hop. Mais tu rigoles, BBK, mais des fois on dirait vraiment que si. Hein. On pourrait, il y a des pièces sur sa tête, lui. Léopold. Bonjour. Que propose. Ah, c'est un vendeur. Vas-y. J'explore un peu l'arrêt. Eh hey, frérot, je m'en fous. Vends-moi ta camelote de merde là. Qu'avez-vous en vente?
Et là, tu vas y vendre des sorts. Si vous trouvez ce qu'il vous faut. C'est nul. C'est nul. C'est nul. Mais t'as pas honte de vendre ça, en vrai? Alors, tu peux te regarder dans la glace et vendre ça ou pas? Oh, ce que je vais pouvoir vendre. Oh, tout ce que je vais vendre. Oh, j'espère pouvoir à nouveau faire affaire avec vous. Toi, tu dégages. T'es du nez trop moche. Ah, putain, attends, peut-être. Ok. Oh, y'a un drip à se refaire, là. 30 balles. Bon, attends, faut que je me rééquipe. Faut que je me rééquipe, là, en deux. Ah oui, si tu le dis, ouais. Équipement. Bon, j'ai pas mieux. Lunettes. Ah, putain, ok, on voyait mes lunettes dépasser, quand même. Qu'est-ce qu'il a, wesh? Putain, comment il a l'air perdu avec ce chapeau, c'est un cauchemar. Hop. Oh. 22, c'est bien, ça. Par contre, changer l'apparence, faut pas déconner. Attends, du coup, est-ce que j'ai équipé... Ok, ça, c'est bien, ça. J'ai équipé la lourde, mais c'est comme si j'avais la... La gaze. Je me comprends. Oh! Ouais, non, c'est moche. Alors que ça, Mama! Ouah, 22! Oh là, 22. Batman de Back. Attends, c'était quoi que j'avais déjà? C'est ça, non? Ouais, c'était ça. Hop, on va pouvoir faire des ventes. Hein. Enlève le casque. Pour eux, il est bien, mon casque. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Enfin, qu'est-ce que je peux vendre, du coup? Ça, je peux le vendre, en vrai. Allez, au revoir. Bon, 600 balles. J'achète des tentacula pour avancer ma quête? Et je vais faire pousser des mandragores? Je pense, hein? Merci pour votre confiance. Ah putain, ça fait cher, sa mère. C'était un plaisir. 600 euros, gros, c'est du scam. T'as pas honte, en vrai? C'est par là. Ouah, c'est loin! Ah, faut le terrain de Quidditch. Ouah. Vous, ça va le chat? Ça a passé une bonne semaine? Vous avez des projets de prévus? Ça te dit quoi le taf? Les amis? Les amours? La famille? Ça va bien? Faites quoi dans la vie? Vacances? C'est les vacances là? Je crois que je suis en vacances dans 2 semaines, moi. Mon père est mort. Ouf. Concours blanc de prépa. Prépa de quoi? Ça a fini les partiels. C'est absurde, les partiels, il y en a tout le temps pour tout le monde en fait. Enfin, je veux dire, tellement les gens ont des dates différentes de partiels, il y en a tout le temps. Moi, je dis en décembre, frère. Oh putain, faut que je fasse tes ballons de merde. Allez, on y va. Lâchez deux pour recharger le boost. Ah, j'avais pas vu, Simir. Et deux. Fais les coffres avec un œil, il y a 500 dedans, tu mets un petit pour les ouvrir. Il y en avait un, je crois, après au lard. Ça s'en fait de la chute. C'est que moi, je suis pas un explorateur, moi, dans les jeux. Ok, le dernier. Quelqu'un le voit? Vas-y, tu vois, je suis en communication, moi. Ah, c'est bon, je l'ai vu. Dark Souls, non, pas encore. Je ferai un jour pour en donner à Jean, mais... Fantastique. Ah. Déchirer ici, éclater des ballons, bah ouais. D'habitude, j'explore rien, mais dans ce jeu, franchement, c'est grave satisfaisant. Et moi, je sais pas. En fait, le truc, c'est que je me dis... Le seul truc où je sens un peu de liberté, c'est quand j'ai parlé au mec, là, de Serpentard, qui va me donner les sorts Bresson. Sinon, en vrai, je trouve que c'est un peu... Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Oui, allez, Madame Kogmo, là. Madame Kog... Oui. Oui, professeur. Bien. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette.
T'es pas sponsor par la banane il y a quelques mois. One kill. Ah mais si, moi je suis toujours... Oh putain, ça rame de fou là. Si, si, je suis toujours ce partner One Kill. Là, vous en faites pas pour les cartes, les gars. On fera gagner des boosters de cartes ensemble, les gars, avec l'Inquiétera. Bon, alors, toi. Toi, j'ai glacé ta gueule de con, toi. Il est où le sort que je viens d'apprendre? Mais. Ah, il est là. Ah, les gars, je crois qu'il est capté. Ok, les gars. Est-ce que. Jaune, c'est sort de contrôle et rouge, c'est sort de dégâts? Ah ah. Il y en a là-dedans. Waouh! Tac. Attends juste. Je vais réorganiser le merdier. Là, je vais mettre un petit glacius. Hop. Axio, c'est bien aussi. Ah, c'est quoi ça déjà? Ça, c'est Bombardito, ça? Ah, j'ai pas envie d'enlever. Parce que ils sont tous bien. Après, sinon, si j'apprends à dégainer vite, de changer de panel, ça ira. Bon, c'est galère. Tête de mort, c'est Avada Kedavra. Oh, quand je l'apprendrai, lui. Attends. Petit Fédamus. Putain, Théo, il m'a eu dans la tête, il me casse les couilles. Parce que là, 3 sorts de dégâts, c'est nul. C'est nul, 3 sorts de dégâts. Faut que j'aie autre chose, là. Le truc, c'est que ça, c'est du distance, ça, c'est du... Je crois que je vais mettre Axio, hein. Attends. Et qu'est-ce qui me manque, là? Bombaldito. Attends, non. J'ai tout? Je crois que j'ai tout, hein. Parce que les bails réparo, tout ça, je m'en branle un peu. Je m'en branle un peu des bails de réparo. Expelliarmus, Incendio, Glacius, Axio. Glacius! Diffindo, c'est Banger, tu verras. C'est quoi ça? Bon, attends, on verra. Je suis encore niveau 11 là? T'as deux fois le même sort. Mais non, c'est deux rouges différents. Oh, toujours pas? Bon, je crois que je vais faire la mission qui me dit ça là. Non? Ça me paraît bien ça. Wouh! T'as battu le monstre Dark Souls? Ouais, juste avant que t'arrives. Je l'ai éteint. Tac. Non, tu as deux fois le nouveau sort. Eh ouais, mais c'est pas grave. En mode, je vais mettre d'autres sorts. Au pire, je mets réparo. Bah, je suis content. J'ai pas tiré, tu te fous de ma gueule. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Il y a un dragon. Oh, c'est un peu nul. Oh. Ça donne de l'XP, ça? Je vais explorer tout de suite le lycée, frère. Le PSG, ils perdent. C'est pas Francis Land. Glacius, Axio, Expelliarmus, Levioso, Revelio. Ouh. 80 XP. C'est gigantesque. Oh, arrête Charlie Chaplin, wesh. Expelliarmus, Incendio. Expelliarmus, Incendio. C'est un classique d'explorer l'école. Revelio. Qu'est-ce qu'ils veulent, les amoureux, là? Avada Kedavra! Non, ça marche pas, je l'ai toujours pas. Ma mère a tellement hâte que je vienne pour les vacances. Elle m'a dit mais non, c'est... Que tous les jours. Mais c'est quoi son gros chapeau qui pue là? C'est quoi ce chapeau de gobelin là? Tout ce qu'elle savait sur Poudlard avant même. Frérot, change de sap! Ah! Expelliarmus! Pas d'humiliation. Mon balai a pris
Dans le cours de botanique. Dans Red Dead, c'est possible ça, mais bon, Hogwarts a dû sortir en 2017. Ah, frérot, il est sorti en 2023, hein. Le truc, c'est que Red Dead, j'ai devoir y jouer, en fait. J'ai vu trop de trucs... Genre pour l'immersion, le sens des détails et tout, les interactions avec les PNJ qui ont vraiment des impacts, c'est... Enfin, il y a un vrai sens du détail, quoi. Comparé à Hogwarts, sans envoyer un distrack. Ils sont en mode Harry Potter, ils m'entendent. Je vais me noyer. T'as pas fait Red Dead, toujours pas. Parce que je crois, pour faire l'histoire principale, faut 40 heures. Peut-être un jour, si j'ai rien à faire, je ferai... Oh. Peut-être un jour, je ferai genre... comme Jean. Marathon 48 heures que du Red Dead, frère. Rien d'autre. T'as dit des NNI, viens, on se capte. Non, frère. Bon. Mais teste au pire. On verra. 500 balles! Non, mais tu as Hogwarts Legacy. C'est Hogwarts Legacy le nom du jeu? Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. Hop. Oh, c'est mes plans. Hop là. Eh, casse-toi. J'ai pas de graines. Putain. Eh, mais, eh, prof! Donne-moi des graines des mandragores. T'es prof? Non, donne-moi des graines des mandragores. Quel est le but de ces devoirs supplémentaires, professeur? Leur but est de vous aider à développer vos compétences en dehors de la salle de classe et à vous préparer à apprendre un nouveau sortilège, Wingardium Leviosa. Mais avant de planter la graine, nous devons labourer le sol. Quand vous aurez fini, venez me voir et nous travaillerons sur le sort ensemble. J'ai hâte de voir ça. Mais par pitié, vous écrivez encore boulot, on est en février 2023, arrêtez! Arrêtez, soyez normaux! Vous avez 40 ans! Vous avez 40 ans dès que vous voyez une meuf, vous écrivez boulot, grandissez! Regardez-vous dans le miroir! Vous cassez les couilles, j'en peux plus! Ça y est! Stop! Non mais oui, c'est ban, ça a toujours été ban, mais c'est un truc de ouf! La graine, quelle graine? Labour le sol, je suis jardinier moi! Comment ça écrit ta gueule, putain? Putain, elles sont où les graines, frère? Ramasser, c'est une feuille de merde, ça. Cher prof Bubille, très gentil à vous, vous êtes souvenu que les frères... Eh, bon. Ma gueule, elles sont où les graines? Revelio. Ah, il y a encore une autre salle ici? Où est-ce qu'il y a des graines du coup? Eh, ta mission elle est nulle, madame. C'est bon, je pars. Le mec de Rémi est plus animé. Bon, toi tu prends. Ah, hyper ma bonne. Non, 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 ok, tu peux manquer de respect. Tu peux dire, je suis pas drôle, je suis moche. Mon live il pue la merde, tu mérites pas de viewer. Mais dire que le live de Rémi est plus animé, c'est un manque de respect à mon live, à mon travail, aux jeux vidéo, aux développeurs. C'est un manque de respect total, frère. T'es un fou de dire ça. Oh, c'était une blague. Bah frérot, pourquoi tu crois que j'étais des bannes? Pourquoi tu crois que j'étais des bannes, frère? On peut plus rigoler maintenant? C'est ça, 2023, on peut plus rire de rien. Mec, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, faut que j'enquête. Et je trouve des trucs. Oh, peut-être je peux geler l'eau. Moi, perso, si j'étais dev, perso, j'aurais fait en sorte que l'eau, elle se gèle. Oh non, y'a Chris. Ça va, Chris? Je les reban. Arrête, putain. Comment on va, King Quiz? On peut pas tuer les PNJ. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, vas-y, ah, super con. Oh. Là, je suis hypnotisé, là, carrément. Ah, ouais, c'est nul. Attends. Mais je peux pas congeler une fontaine, quoi! Ah, si. Ah, non. Tranquille et toi, on est là, hein. J'aime bien le jeu, en même temps, il est chiant. Mais bon, on est là. Tu
peux congeler des bébés. Mais vous voulez juste que j'aille en prison, ça a autre problème. Oh, oh, en chambre d'aventurier gris. Oh, alors là. Tu dis pas assez, Revelio. Revelio. T'as un truc qui dring dring. Oh. Comment je vais là-bas? Oh, une potion! Tout ça pour ça, hein. C'est pas des coffres qui dignent, bah, a priori, si, hein. Hello. Ah, il faut que je découvre des trucs, parce que quand je découvre des trucs... J'ai jamais vu pire jeu, pourtant le jeu du foulard existait, mais laisse-moi tranquille. En plus, ça va! Juste pour toi, ton problème, c'est que toi, t'aimes trop extrapoler. Là, tu dis le jeu, il est abominable. Il est pas abominable. Comment ça, je suis la quête? Il est pas abominable. Il est pas mal. Mais oui, bien sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire encore? Eh, mettez-moi niveau 12, je vous en supplie. Arresto Momentum. Y'a pas de multi. C'est vrai qu'y a pas de multi, ça c'est abusé. N'empêche. Elle vient de me dire à l'oreille que Last of Us bousille Breaking Bad. Non. Oh que non. Last of Us, mais là je suis sûr, pota. Là tout à l'heure, je regardais l'épisode. Il était bien, après je me suis rappelé la scène de Walking Dead où quand Shane... Tu sais la scène, t'as la gratte. Shane il regarde l'horizon, t'as le zombie qui marche dans la voiture. Et là t'es en mode, waouh. Il me dit, putain, ils me feront jamais vivre ça. Genre c'est sympa, mais ils me feront jamais vivre ça. Et je me dis, putain, mais Walking Dead. Je me demande oui, si ouak, ça me plairait, ok, allez hop, calmos. Quoi? Hop. C'est la chanson. Ah ok, je suis un ouf. Allez, on y va. Hey, venez, regardez, là on critique, mais venez, on profite un peu des décors. On rappelle, Terra est le plus suceur de la saison 2 de Walking Dead. Mais non, Terra, Terracide, ce merdeux, c'est dans The Office, vraiment, faut vous rappeler, dites-vous que Terra, ce merdeux de 30 ans, il dit que la saison 2 de Walking Dead est nulle. Il dit qu'elle est nulle. C'est une des meilleures. Y'a aucun décor, oui, je sais, frère. Elle est super, bah oui, elle est excellente, frère. C'est peut-être la meilleure. T'as la ferme, t'as tout le développement de Shane. Ah chier, regardez-le, il est fier, hein. J'ai un écran 4000 euros, je garde Walking Dead dans mon plaid, en mode Netflix and chill. Eh, Terra, toi aussi, tes lives sont trop chill. Oh, Terra, j'aime trop quand tu lances ton live, c'est tellement chill, je suis relax. Terra, je mets tes lives quand je fais mes devoirs avant de dormir, je suis trop relax devant tes lives, t'es trop posé avec ta petite voix. Je suis trop relax devant tes lives, frérot. C'est bon? Elle te fera les pieds, maintenant. S'entraîner à voler près de la tour de Pont Désir, c'est où, ça? Carte. La saison 2 qui oublie que c'est une série de zombies qui passe un zombie dans le décor histoire 2. Pff, mais regardez-le, il oublie tout, c'est l'âge. T'as oublié l'épisode où il se bat, Rick et Shane, il y a des zombies tout autour du bus, il doit fuir. Non, monsieur Terracid, il se rappelle juste que Shane il est chauve, et que Loïs elle meurt, et que Carl il pleure, c'est tout, parce que monsieur est vieux, il oublie tout. Tu oublies que c'était une bonne série. C'est bon. Ok, bon, je dis, Terra, il a pas aimé l'épisode 3, ça veut parce qu'il y a des homos dedans. Je vous le dis, c'est bon, Terracid n'a pas aimé l'épisode à cause de ça. Voilà, je vous le dis. C'est bon? C'est où, Préolard rouge, là? T'as pensé quoi, l'épisode? Bah, Jason, c'est le meilleur, frère. Allez, hop. Eh, elle est où, la ville dont il parle, là? Rouge-gorge, là. Quête. C'est ça? La tour de Pont Désir. C'est où, la tour de Pont Désir? Tweeté le soir même que c'était le meilleur épisode, attaque annulée. GG. Elle n'existe pas, leur ville. L'épisode sert à rien. Oh, je trouve pas. Moi, je trouve que ça rajoute du corps au truc. Un épisode qui sert à rien, par contre, c'est l'épisode 4. L'épisode 4 servait vraiment à rien, pour le coup, je trouve. Mais c'est où? Casse-toi. Eh, c'est un gros mytho, ce mec, l'écoutez pas. C'est pas ça, Pont Désir? En bas de la carte, merde, j'ai pas vu. Eh, écoutez pas, Terra de Monkey Studio, c'est un diffamateur et un menteur.
doublé d'un mauvais goût pour ne pas aimer la saison 2 de Walking Dead. J'ai toujours dit que voyager ouvrait. Ouah, c'est à 3000 mètres! Je vois, Breath of the Wild avant le prochain. Breath of the Wild, je l'avais fait, mais de mon côté, quoi, mais il y a longtemps. Mais j'ai pas fini. C'était sympatoche, voilà, vu que vous me demandez, j'ai bien aimé. Mais en vrai, le 2, le truc, c'est que j'ai regardé que de très loin, donc je sais pas, mais visuellement, c'est exactement la même chose, non? Genre, maintenant, ça se passe dans le ciel et tout, mais visuellement, c'est la même chose, non? Les gens qui ont aimé la série Walking Dead passaient 4 saisons prédateur sexuel. Non mais toi, le truc, c'est que c'est un malade, ce mec. La saison 5 a été bien aussi. La 6, ça commençait un peu à descendre, mais il y avait encore du bon. Là, la 7, bon. C'est du niveau Hugo délire. C'est du niveau Hugo délire, là. Parce que l'épisode 1, il est excellent, c'est peut-être le meilleur, mais bon, le reste de la saison... Aïe. Et la saison 8. Est-ce que j'ai besoin d'en parler du cauchemar qu'est la saison 8? Je pense pas, hein. La 9, première moitié, il y a un petit espoir. Attends, merci HBO de montrer comment on fait une série post-apo. Non mais attends. Terra, t'es en train de me dire que là... Merci mon gars pour le sub. Cimer Holo 30. Trop cool. Terra, t'es en train de me dire là que... Tu trouves que The Last of Us, c'est mieux que le début de Walking Dead. Ah non, je suis mort. Elle est Mao. Oh, je suis mort. Terra devant la série. Bah, c'est exactement comme le jeu. Bah attends, bah, j'ai déjà joué ça au jeu. À part épisode 3, j'avoue. Les deux sont nuls. Attends, on va t'attraper, toi. Wesh, non, mais 2000 pas. 2000 pas, c'est où ça encore? Carte. 5 épisodes ont allumé la série entière. Arrête! Oh! Y a pas un perso qui. Les persos, ils rêvent d'avoir le niveau du charisme de Shane. La prestance de Shane, ce qu'il apporte à la série. Mais bon, moi, je vais pas juger parce que. Toi, Terra, t'es un maxeur. C'est ça le problème. Là, on a eu 5 épisodes. Frérot, là, y a rien. Y'a rien dans la série où j'étais en mode waouh, là ça me fait oublier le prime du Walking Dead. Y'a rien. Mais c'est cool, hein, moi je kiffe. Mais bon, restons calmes. Terra qui avait un SDF après un épisode de Last of Us. Zilligan. J'ai pas les emotes. Casse-toi, Superco. Shane, il est là pendant 2 saisons, tip top la série de 28 saisons. Mais je viens de te dire du prime parce que là tu compares 5 épisodes à 12 saisons. C'est incomparable, parce que oui, évidemment que si tu compares le taux de caca de Walking Dead par rapport au taux de caca de Last of Us, normal qu'il y aura plus de caca dans Walking Merci Dead. Il n'y a que 5 épisodes dans le Last of Us. Cependant, Grimm te déteste. Mais si, tu prends le plus haut, le plus dans le dans, en termes d'intérêt de plus intéressant dans les séries, Walking Dead, ça m'a plus marqué. Pour le moment. Peut-être ça me donnera tort, mais pour le moment, je pense pas. Cimer, Jamie, World on the World. Ça n'est pas le niveau moyen de la série. Le truc, c'est que toi, t'as pas aimé la meilleure saison, frère. C'est ça le problème. Les 4 premières saisons sont irréprochables. La 5-6, tu peux commencer. Hop. Y'a des monstres là. De quelle série il parle? Débat entre Last of Us et Walking Dead. Le truc, c'est que moi, Walking Dead, j'aime... Enfin, Last of Us, j'aime bien, là, mais... À part le 3... Non, le 1, c'était bien aussi. Genre, à part le 1 et le 3, tu vois... Le truc, c'est que bon, je peux pas juger maintenant. Il y a eu qu'une saison. Il y a eu qu'une saison. Du coup, je peux pas dire c'est mieux que Walking Dead, parce que... Ça a pas de sens, et en plus, ça l'est pas, pour le moment. Why? Surtout quand c'est les galères, tu vois, ce qu'il y a eu sur toute la première saison, avec les réals qui sont barrés. De quoi, Last of Us? Après, galère de tournage, frérot... le budget de The Last of Us, c'est... Je pense 10 voire 20 fois plus supérieur à celui des premières saisons de Walking Dead. Parce que Walking Dead, tu vois certains plans, t'as l'impression que c'est un téléfilm. Même le spin-off Black Summer est mieux en 2 saisons que Walking Dead. Le problème, Terra, c'est qu'on va t'arracher la carotide et la montrer à la vue de tous en plein Paris. C'est ça le problème. Sur GTA Twitch. Hop. Non! Vieux ballon là? Tac. Ton problème c'est que t'as même pas regardé Black Summer et tu parles blablabla. C'est la série de zombies sur Netflix, non? Voilà. Le truc c'est que peut-être ça peut être bien, mais le truc c'est que Rémi a aimé, est-ce que j'ai envie de regarder? Pas forcément. Parce que bon, Rémi, sa dernière reco c'était quoi? C'était American Sniper. Là, c'est des trucs comme ça. Ah non, Rémi, il m'a dit d'aller voir Vaincre ou Mourir, là, le film d'extrême droite au ciné, là. Il m'a dit, putain, fais un film qui rend mes idéaux, c'est... Va le voir, frérot.
On va le voir, frérot, c'est très grand, très important. Hop. Terra fait une série de vidéos live à la The Walking Dead. Terra 6 The Walking Dead, c'est trop nul. Non, mais il parle de la série, pas du jeu. Ah non, je suis court, tu parles du... Parce que Terra, c'est un fan des comics, pour sa défense. Non, c'est pas un acteur en mode dire ton de sa veste. Je crois qu'il kiffe les comics et les jeux, mais pas la série, donc ça va, tu vois. Et toutes les BD, la brutoche. Damn, man! Madame Kamogawa. Attends, elle est... elle était Al, non? Je sais plus où elle est. Le truc, c'est que... Oh, attends, non, juste, là, ce qui m'énerve, c'est... Pourri, il m'indique pas où elle est. Pourri, il m'indique pas où elle est, Madame Kogawa, j'ai besoin d'aide. Ah bon, bah, je ferme. Pardon. Désolé, désolé, allez là. J'y vais. Pardon, pardon Warner. Je sais le ton. Fais tous ces erreurs. Pourquoi tu défends Walking Dead? Mais je défends pas Walking Dead. Ah, les dernières saisons, elles sont en gaze, voilà, mais professeur. Tu peux pas retirer l'aide de noblesse aux premières saisons. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous la savez saison 6, la fin de la saison 6, la c'est du grand cliffhanger. Est-ce que t'as des séries qui vont faire des cliffhangers aussi efficaces? Non, t'as plus une série qui font ça. Sinon, on n'en parlera pas. Non, mais Rick Grimes, non, mais chaque perso était fou. Daryl, Rick, au sol lors d'un match de Quidditch. Tellement de cette tour, les fins, elles sont Walking Dead. Ça a mis en avant la gratte dans le menu des séries. Ah, c'est nul comme palmarès. Mais tout est fin d'épisode classique avec le petit son et une guitare qui se lance là. Du grand art. Et ce truc, c'est que malheureusement, Last of Us, je pense, je vais adorer, mais enfin, je pense, j'ai kiffé, mais ça me fera jamais ressentir ce que Walking Dead va faire sentir. Et c'est pas la nostalgie. Je pense en termes de perso et tout, parce que le truc, c'est que Last of Us, ils sont deux. Tu vois, ça limite déjà les trucs. Aristo Momentum. C'est quoi ce merdier? Cimer Illusk. Moi, j'aime bien Walking Dead, mais plein de monde aime bien. Que tu n'es pas le cinéma, je pense. Frérot, je suis un. Frérot, j'ai mis le cinéma à la mode, qu'est-ce que tu racontes? Je suis un aficionado du cinoche, frère. Attends, mets-moi niveau 12, je t'en supplie. Tu aimes les hommes charismatiques, hashtag Shane. Ouais, et alors? Ouais, j'aime Shane, et alors? Tu vas faire quoi? Ouais, j'aime Rick Grimes, ouais. Attends. Carte. Quête. Non, mais là, je suis niveau 12, là. Faut que ça prenne un sort pour une mission. Obtenir utiliser une potion de concentration? Mais comment je fais ça? Walking Dead, t'as essayé de me faire pleurer sur la mort de Carl. Non mais après, il est mort saison 8, la saison du caca, normal, tu pleures pas. Je suis mort terré, là, il s'est effacé toutes les morts tristes. Aidez-moi, par pitié, Warner! Faut que j'aille sur Préolard? Faut que j'aille chez le mec aux potions, c'est ça? Nous, ce bâtard. Il est où le mec aux potions, là? Je vais en mettre une. Oh, c'est là, peut-être, non? Pique et pec. Des animaux, du blé. Potion pipin! Oh, c'est bien ça! Parler à Pipin. Je sais pas si c'est ça. Mais je vous pleurez pour des séries et films. Normal, frère. Normal, frère. On est des humains, wesh. Oh, la phrase. Non, mais c'est normal de pleurer dans les trucs qui t'émeut. Selon toute forme d'art. Après, j'avoue, attends. À chaque sondage, est-ce qu'il y en a qui ont déjà pleuré en lisant un livre? Bonjour. Vous avez quand j'ai un livre, c'est, potions, c'est bouquin. C'est pas genre un manga. Genre un livre. Moi je me dis, c'est quand ça je pleure devant un film? T'imagines, t'es là. Ah oui, My Camp. Non, faut pas pleurer pour ça. J'ai mis là, t'es là, tu lis un Edgar Allan Poe, t'es en mode. Oh non, le pamphlet qu'il a mis là, c'est trop. Je sais pas. Comment c'est possible? Bah en vrai, je sais pas, je me dis. J'espère vous revoir. Parce que cinéma, c'est plus facile de ressentir des émotions quand même quand t'as l'image et tout. Un livre, c'est dur quand c'est pas visuel.
Hey, je m'en fous de Pipin, frère. J'ai pleuré sur un voyage au bout de la nuit. Bout de la nuit, les démons de minuit. Bonjour, monsieur Pipin. Tu lis normal et deux. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Oh, la phrase est égale, super con. Vous ne devriez avoir aucun mal. Genre, tu lis normal et aux deux prochains, tu pleures. Désir. C'est juste au sud. Les prochaines pages, je vais dire, non? Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima, encore, tu vois, non, je pense. Tu vois, en fait, je pense que plus tu peux devant un manga que devant un livre. Parce qu'un manga, t'as des images, c'est plus facile. Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Peut-être, tu me dis, peut-être, si t'es un fan de bouquins. La qualité de il y a une tournure d'écriture et dans l'histoire. Puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? C'est les big fans de la lecture. Si vous pouviez vous en charger à ma place, pour ma je vous offrirais avec plaisir les frais genre de série, film, payés par enfin tout Fatima. Ce qui est visuel, c'est facile en vrai. Série, film et même animé, c'est facile. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas trop à quel de point je vous suis sur reconnaissant. Quoi vraiment. Sur, enfin, sur quel les potions d'invisibilité dont elle a besoin. Et t'as pas besoin d'image, mais je dis que c'est plus facile. C'est normal. Passionniste de talent. Là, je pense que tu mets un enfant de 10 ans. J'aimerais bien jeter un coup d'œil à ces recettes de potions ou devant. Les 12 travaux d'Astérix, il y en a un, il va pleurer plus que devant l'autre. J'ai rempli le pire exemple. Mais tu vois, genre, je pense que quand il va lire l'Assommoir, il va pas pleurer, quoi. C'était une fanfic. Ah non, vas-y, toi, on va te ban. Comme ça, tu pleures en lisant une fanfiction. Quand Flantier est mort, c'était terrible, les émotions. Ah ouais. Faut aller où, là? Wouah, 1960. Attends, carte du monde. Ok, vraie question, qui a déjà pleuré en écoutant une musique, mais pas parce qu'il était triste, c'est à cause de la musique directement. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Peut-être un thème de film. Parce que ça, mes trucs, c'est que ça me rappelait le film, donc peut-être c'est de la triche. Sinon, j'aurais une musique en mode, genre, je me suis lancé l'intro du Dying Big Flawless que j'ai pleuré. Non, je pense pas. Avec le son des jaunes. Est-ce que t'as pleuré sur de la musique? Peut-être sur un... Non, mais ça compte pas. Parce que j'avoue... Hé, j'étais jeune. Je crois... En fait, quand tu dis Michael Jackson, c'est le seul artiste que j'ai écouté. Je crois quand Michael est mort, j'ai écouté sa musique, j'ai pleuré, je crois. Je sais plus. Est-ce que là... Genre, j'ai écouté la musique, j'ai pleuré. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. J'étais en mode... Daddy Diana. Frère, j'étais dingue. Je me rappelle, je dis à ma mère, je veux pas aller en cours. Je suis allé. Veuillez descendre pour entrer. Oh, il nous emmerde. Je fais le tour. Tiens, j'avoue, en vrai, parce que là, il y a un mec qui a dit des hommes pleurent sur Orelsan, mais en vrai, comment on dit? Note pour trop tard, c'était tellement. Genre, tu sais, je me la suis prise au lycée, j'ai pas pleuré, mais c'est tellement, tu sais, c'est tellement un tapis. Genre, tu sais, tu te. Genre, tu sais, quand tu l'écoutes au lycée, tu te dis, putain, c'est trop moi, tout ce qu'il dit, ça me. Je me dis, c'est tellement moi et tout, tu sais, tu pourrais pleurer. Moi, j'avais pas pleuré, je crois. Mais quand je l'écoutais, tu vois, j'étais en mode, putain, c'est trop vrai ce qu'il dit. Je l'avoue. T'as mis d'aller par où, là? Real Friends, Kanye West, chial en écoutant ce que tu pensais, Grim est un vrai pop au stream, Ouboufou. Bon, on va le faire, pota. T'as le nom du site quand même, Ouboufou, hein. Il m'a pleuré en écoutant du Ziak. Ça, votre problème. Je suis dans quelle ville là? Donnez-moi de l'esprit pour la découverte, non? Oufou, classique live dessus, on est à raison. Mais j'ai déjà fait un live dessus, c'est lourd. En mode, ces trucs, t'as les tournois et tout là. On fera ça. Peut-être demain, pota. Je te tiens au juice. Moi, je suis un ricain, maintenant je parle comme base. On va concurrencer One Kill un peu. Ça, j'aime ce clash. Moi j'ai l'arme en écoutant les thèmes d'Annette, il faut avoir la sensibilité. J'ai de le revoir. Sur là j'étais au ciné, je suis sorti du ciné, je voulais relancer Annette. Putain, quel film. Je suis mort. Des mecs comme Ecrisio ont pas aimé le film, ça me débecte. Après bon, la sensibilité d'Ecrisio, hein. La sensibilité d'Ecrisio, putain lourd le dernier Burger King là. Là c'était cool le stade de Schindler sans vérifier, ça va peut-être me faire pleurer. Ouais mais est-ce que. Moi je me dis c'est peut-être de la triche parce que. Moi, il y avait le thème de EO là, le film avec Lan, il me faisait presque pleurer. Parce qu'en fait, quand tu penses au truc, tu penses à l'histoire, au film, au trailer, tout ça, des images. Du coup, c'est. C'est pas. Je pense que c'est vraiment de la musique, tu vois. Moi, quand je.
Je pense que tu dis musique, tu penses à... Arrêtez, il y a des clips quand même dans la musique, donc peut-être que ça marche aussi. I don't know, man, like... Alright. Non, thème 2, c'est une dingue. Et c'est une mission les plus chiantes du monde. Il pleurait devant Babylone. Ah, au générique de fin. C'est abusé, ça. Comment il a atteint tellement de monde de films. Après, c'est pas son meilleur, mais c'est cool que... Hashtag vieux con, c'est cool qu'un film de cinéma comme ça, tu vois, il marche dans un paysage pourri, pas les films de super-héros. Parce que là, en France, il a marché de fou, je crois. Bon, aux États-Unis, il a bidé de malade, mais... Nous, chez nous, je crois qu'il va faire le million d'entrées, non? C'est cool. C'était une vanne. Mais toi, tu vannes, mais en vrai, il y a plein de mecs qui ont pleuré à la fin. C'était pas mon cas, mais... T'as écrit les paroles du rap du feutre. Je suis voir le clash des générations dans le chat. Hein. Mon film préféré, c'est Aline Verte, tellement drôle. Je sais pas si c'est une comédie, hein. Ah, il m'applaudisse, moi. Merci, mon gars, pour le sub. Trop. Merci, Jean-Louis, gars. Cependant, Grim te déteste. Merci. Je fais que mon travail. Ah, merde, applaudisse, lui. Vas-y, toi. Incendio. Mais sans force d'aimer le jeu. En fait, moi, Pota, j'aime le jeu, mais je n'aime pas les quêtes annexes. Moi, en gros, Pota, moi, je suis un... C'est agréable. Moi, je suis pas un explorateur, je l'ai déjà dit. C'est pour ça que Red Dead, j'ai peur de pas aimer. Parce que mon truc, c'est que Red Dead, comment on dit, ça a l'air plus fourni quand même en termes de... Madame Lamwang. Truc secondaire, j'ai une raison pour vous de la part de potion drone. C'est pour ça que D3 j'ai kiffé. Alors comme ça, D3, t'es là, tu fais ton histoire, tu fais tes choix, basta, t'enchaînes, blablabla. Moi j'aime pas les jeux où tu peux trop perdre ton temps à t'éparpiller. Moi j'en trouve pas, ligne droite, bang bang. Tu vois, c'est pour ça, comment on dit, Last of Us 2. Oh le régal, je suis régalé. C'est une dinguerie, mais tu fais fa. Tu sais que c'est que, t'enchaînes, que vous vouliez. Tu suis un truc, tu fais ton histoire, mais tu suis l'histoire du jeu, tu perds pas de temps à perdre des conneries là, des nananis, des... Va aider mon chat, va se porter trois cartons. Non, histoire, t'avances, tac. Tu vois, c'est bien, ça j'aime bien ça. Là, je m'en fous d'elle, ces potions là. D'accord. Rien de plus simple, je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Tu as joué à des jeux avec quête annexe pourrie. C'est possible. Que Red Dead, je me dis que là, tu vois, là où on se fait un peu liège dans les quêtes annexes, je pense que Red Dead, il y a quand même un. Il y a un sort du détail, c'est niché, c'est poussé et tout, quoi. C'est ton jeu all-time, Pota, ou c'est un autre? Parce que, par exemple, genre, après Red Dead, tu vois, Red Dead, ça a l'air alléchant. Mais, comment ça s'appelle? The Witcher, tu vois, je pense que c'est du lourd, mais ça me donne moins envie. Potion. Non, c'est nul. Oh! Voilà, dinguerie! Attends, c'est ça? Le jeu préféré, Pota, le Dope Quiz. Ça effraie les pieds un peu. Je crois bien que ça a marché. Non, pourquoi je la finis en trois jours, doit être nul. Ça fera l'affaire. Je pense que c'est un fiasco, le jeu. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être... Après, genre, il est fou, ça aurait la stream 48 heures. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Bon, un jour, Pota. Jamais de la vie. Oh, t'as mis seul, je suis un stream de 10 heures dessus. Non, j'ai pas envie. Mais peut-être je le ferai un jour. De toute façon, je serais obligé d'y jouer un jour. En 3 jours. Non, mais les gars, Jean, c'est un malade mental. Il a fait 2 lives de 25 heures en 2 jours. Pota, écoute-moi bien. Promis. Attends, on est en quelle année là? Pota, cette année, je fais Red Dead. C'est bon ou pas? Que les potions ont été. Tu vas faire quoi? Je fais Red Dead cette année, tu vas faire quoi maintenant? Le truc, c'est que c'est peut-être mieux que je change de PC, non? Parce que là, mon PC, je sais pas s'il le fait tourner en bien, en live, tu vois ou pas? Encore une promesse non tenue. Dis-moi toutes mes autres promesses non tenues. Que proposez-vous à la vente? À part que j'ai toujours pas fini le parrain. La saga qu'est-ce du parrain. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Je vais pas lui acheter de merdier, en vrai. Le live, ouh. Ouais, non, mais c'est pas une promesse, il y a 3 jours, on va le faire. Le canot de Théorus, il arrive bientôt, mais bien sûr. Mais c'est pas moi, ça. C'est pas moi, ça. Attends. Oh, je suis mort. Qui se rappelle du serveur Rust de Superco? Attends. Comment je suis dans le menu? Retournez voir Pipin Paris. Oh, ils nous emmerdent avec leur mission annexe. Là, putain! Mais. Tac.
J'ai rien demandé. Ça va, Sperco ? Ne tourne pas l'attention, parce qu'ils veulent me faire. Ils me disent, je tiens pas mes promesses. Et il y a juste le live où on a dit il y a 3 jours, frère. Et on le fera peut-être demain. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Je serai pas là le matin, hashtag Benzyman. C'est quoi ta carte gras ? Ma carte gras. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. C'est quoi une carte gras ? J'ai apporté les potions d'invisibilité. Ah, ma carte graphique ! 2070, super ! Elle ne vous a pas causé trop. Eh frérot, je m'en fous. Allez, on va dire pas facile à vivre. Eh, donne un supplément, frérot. Livrer ses potions, tu fais tourner, c'est bon. Bien ah ouais, même en live que prévu. Un supplément serait le bienvenu. En HD, putain ? Ou faudrait que je le descende de Pepperos ? Très bien, je vous paierai. Bonne chance avec vous. J'arrive à me payer, c'est un bon. Je sais pas, ta gueule, t'as qu'à le lancer. Va te faire enculer, frère. Preuve de Merlin, je m'en bats les couilles, les preuves de Merlin ! Putain ! C'est bon ! Hey, il m'emmerde ! Je lancerai Dead maintenant, dit que sa mère, non. Là, j'enchaîne trop de let's play. Et là, on finit l'arc Hogwarts. Le plus tôt il sera fini, le mieux je me porte. Peut-être je finirai off-live. Ah, parce que là, c'est bon. Eh, moi je veux la fin du jeu. L'enchaînement de let's play puissance 4 en live. C'est un classique puissance 4. Ouais, c'est pas un let's play du coup. Les stream letterbox, on a fait les 3 quarts. Hop. Vous êtes trop gourmand. Dans 2 mois, tu y es encore. Jouer offline, vraiment quand c'est intéressant. J'hésitais à le faire. Après, je me suis dit, peut-être qu'il y aura des mecs qui étaient en mode. Il y a une raison comme ça, ils pourraient continuer à jouer là. Mais non, il n'y a pas d'OP, wesh. En mode, ils m'ont dit, fais 4 lives dessus minimum de 3 heures, après, t'auras ton cachet. N'importe quoi, frère. C'est pas mon genre. C'est ce que je me dis, j'aimerais au moins arriver au moment intéressant, le moment où j'ai les sorts maléfiques de type Avada Kedavra. Hop. Les minions ont aucun rapport avec le gameplay parce qu'il se passe rien dans le jeu. Bah en fait le truc c'est que le jeu c'est 2 heures de marche chiante, une demi-heure de mission sympatoche, re 2 heures de marche chiante. C'est ça le blème. Là tu vois genre la mission avec les méchants Dark Souls, c'était bien. Mais c'est un cinquième du live, quoi. Pourquoi tu continues à y jouer? Parce que je me fais pas chier non plus. Bon, là, l'émission, elle me fait chier. Mais... il y a le gameplay... Voyons quel tour tu as dans ton sac. L'émission d'après, elles seront bien. Pour l'amour de Dieu, bon sang, full live chat vidéo. Je le fais, pota. Après. C'est quoi, ça? Rebellio. Tu joues pour les stats, je pense vraiment que si je joue à un autre jeu, j'aurai plus de stats, hein. Je pense vraiment que là, sur un live sur Hearthstone, j'ai plus de viewers, hein. Alors que Hearthstone, c'est vraiment l'anti-buzz, je pense. Moment. Pourquoi t'as juste écrit moment? Attends, c'est où? C'est quoi qui n'avait plus en disant qu'ils disent boulot, ceux qui disent que tu répètes et tout. Ah, le deuxième. Maintenant, le deuxième, faut vous péter la gueule. Parce que vous. Eh, venez parler en face. Ceux qui disent, je dis tout le temps et tout. Venez parler, après, on va voir qui dit et tout le plus maintenant. T'es resté sur son statut Netflix, il vient de lancer Elite. Bah, écoute, c'est ses goûts, hein. Un mec qui aime pas Walking Dead, il va aimer Elite, hein, qu'est-ce que je te dise. Dis quoi ce cas, c'est pas que tu répètes tout le temps, c'est. Attends, ouais. Ça, je le dis moi maintenant. Bon, j'aime TP, nique sa mère. Eh, je vais juste faire le mec qui voyage, c'est bon. Moi, je suis Shane, allez hop, ça c'est fait. Et moi, je suis Joël, frère. Eh, c'est un ouf. Il parle en mode, il fait pas que je sais Last of Us. C'est un malade, lui. Attends. Suive la quête. Bang. Normal. Ah, donc dire bravo Shane, bravo Joël Flirting, mais dire bravo Shane Harassment. Je vois, non, je vois, y'a pas de soucis, Terra. C'est des manipulations de masse, hein, ce que tu fais, mais bon. C'est qui, ah, c'est voilà, avec des nouvelles, j'imagine. Je vois qu'en plus, Union qu'Walking Dead. Non, Walking Dead,
La fin, elle en valait la chandelle. Genre, la saison 4, la saison 3, c'était chiant sa mère, mais la fin de la saison 4 en valait la peine, en vrai. J'ai vraiment hâte. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité? Il n'y avait pas une mission, là? Mais Galil, Grim qui pleure devant la mort de Karl. J'ai pas pleuré devant sa mort a été nulle. Ils l'ont tué alors qu'il n'y avait plus Rick. Mais putain, il a répété le tweet de Terra. Oh. Action. Allez, viens là. 80 d'XP. Bah c'est pour Terra alors. Qu'est-ce qui... Oh, petit chat. Doudou doudou, il est trop mignon, petit chat. Doudou doudou doudou. Avada Kedavra. Ça marche pas. Action. Expelliarmus. Glacius. Ah merde! Pardon, petit chat. Wesh. Ouais, j'ai réussi à le congeler. Eh, reviens, gros. Je rigolais. Ça y est, tranquille. C'est bon, hein, un peu de divertissement. Il n'y a aucune mission, frère. À faire. Signaler Twitch. Non, non, non. Je l'ai gelé. Je l'ai gelé parce qu'il faisait chaud. Je l'ai gelé parce qu'il faisait chaud. Je l'ai aidé, le chat. C'est tout. Merci, mon gars, pour le sub. Trop cool. Simir, Freyhoun. J'ai même pas... Le chat avait une interaction. Parce que, Pota, toi, t'es pas assez un explorateur, frère. Alors que moi, ouais. Oh, attends. Attends, mais tu te fous de ma gueule, là, fils de pute? Non, mais attendez, regardez la mission. Moi, je pensais que c'était une mission de fou. Là, faut que je sois niveau 13 pour courir sur les créatures magiques. Il se fout de ma gueule. Survoler la compétition. Non, on va les baiser. Non, c'est une dinguerie de pousser des quêtes comme ça. En mode, c'est des dingueries. C'est sérieux ou quoi? Moi, je pense que ça va être une quête. Affronter un orc. Choper les orcrux. Non, non. Nada, tout ça. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? Ah, frérot, j'ai vraiment une liste de 30 villes dans ma tête, là, qui viennent. D'accord, c'est le jeu, il y a longtemps, il y a 10 minutes, là. Je vous offre une belle réduction sur cette... Il améliore mon balai, fils de pute. 1000 balles! Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Le balai fera votre bonheur. Ah, je dois vous dire. Ferme ta gueule, je m'en fous. Là, j'ai fait la mission. Donne-moi au moins 50 XP que je passe niveau 13, quoi. Quête commencée? En route pour faire la course, alors. Bon, une course, ce sera peut-être un peu d'entertainment dans ce monde de fou. Carte de Poudlard. C'est pas là. Waouh, waouh. Grim arrête à DM la personne qui a fallu s'extraire pour lui demander d'arrêter d'être dedans. Eh, hey, Terra, casse-toi. Toi, t'es dans toutes les listes, moi je suis dans aucune. Moi je suis un bon. Je suis un bon, mais pas dans tes problèmes, frère. Tu veux 5000 crédits contre une signature? C'est quoi, t'es un arnaqueur de Poudlard, toi? C'est incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminée. Hop. Tu essayes Wolf Among Us? Ouais, mais pas tout de suite. Là, les Telltale flemme. Petite pause de Telltale. Désolé, je baillais. Pourquoi t'as une photo du daron de Théo? La tronche. Tac. Comment ça positif à la cocaïne? C'est pas eu un accident? Hop. Et je vois plus Zimod CTV, ça me fout le seum. Faudra que je réactive, je crois. Ça à vous dans le chat. Sinon. Ah, il a causé un grave accident. Ah!
Moi je croyais il était victime de l'accident, je captais pas, du coup moi j'étais en mode force à lui. Ah il a causé l'accident, bah il va se faire foutre. Ah non, ok. Parce que oui, moi j'ai vu qu'il y avait un accident et qu'il y avait eu des morts. Moi j'étais en mode, ah merde le pauvre il est... Comment on dit, il était victime de l'accident, mais s'il l'a causé c'est une merde, en plus qu'il est sous cocaïne frère. Eh hey, de toute façon, conduisez pas, c'est ma morale de l'histoire. Ah ouais, j'ai pas le permis. Je pense que les gens ils savent c'est qui Pierre Palmade, hein, pas besoin de mettre une photo. C'est quoi, je suis sur BFM TV là, ça met des images quand j'explique frère. Peut-être j'ai pas vu les yeux. Oh, attends quoi? Arrête de mettre des... Wesh, attendez, guettez. Oh les... Aïe! Oh les mages noirs de fou qu'il y a! Il y a de l'action ici! Bah toi, est-ce que je me tape là? C'est l'heure de la guerre! Attends, tape les yeux les gars! C'est la guerre! Oh! Mais c'est ça vous, sorcier de pacotille! Pourquoi ça rame? Tu bouffon, quoi. Alors vous allez vous prendre un Avada Kedavra, les gars. Action! Fringo! Expelliarmus! Mais pourquoi ça rame? Foutez de ma gueule ou quoi? Et toi? Wesh! C'était satisfaisant. Zéro. Allez, one shot. Ah, ils avaient de la thune. Elle donne, frère. Ah, on y va. Ça laguait vraiment de fou, on dirait, hein. Bizarre. C'était ce lundi, Zen. Du coup, c'est pas ce lundi, mais ça sera dans une semaine après. Hop. Pourquoi il y a des ballons? Hop. Mais j'espère, là, ils me font déplacer aussi loin, c'est pour une mission de fou. Mais arrête, on a compris, putain! Quel goût. Lundi de la rentrée. Mais t'as qu'à pas être en vacances, frère, ça te fera les pieds. C'était du balai, bah non, je meurs là. J'aurais jamais dû venir ici. Hein? Mais laisse-moi. Mais laisse-moi rentrer! Tu te fous de ma gueule? Arrête! Aïe! Je te jure, des Apollo pour mettre des grands murs invisibles! Prends le balai! Pourquoi faire, Omar Sy? Ah, faut juste faire le tour, il nous emmerde. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur la montagne. Oh, la personne la plus rapide de Pouf Souffle. Il fait un visuel annonce de live, t'as préféré Théoriste Teuf là? Mais je l'ai pas vu le visuel annonce. Bonjour, de live, Imelda. Wesh. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est... Vas-y. Ça... Si, ouais. Mais si je te dis que j'ai pas vu, frère. Attends, allons-y. Que la course commence. Enfin. Mon dernière mission après je cut les gars. Faut que j'y aille. Wouhou. Ouais, plus vite que moi. Wouhou. J'ai réussi. C'était pas prévu. Oh. Je vous jure, le pilotage est trop galère. C'est trop galère. Non, 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 non. Tu te crois drôle?
acceptable. Et quand même pas, ils ont encore mis une image bizarre. Aïe 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 aïe. Je commence à prendre le coup de main. Oui, d'accord. Ok. J'ai payé 1000 balles ce balai, hein. 1000 balles, je l'ai payé le balai. Regarde vidéo live chat. Attends, je suis la course et je regarde Potter. Oh putain, c'est loin là. Fantastique. Allez quoi, sérieux. Incroyable. Incroyable, arrête de soucis, frère. Génial. Fou. Fantastique. Fort. Ça flingue. Ça canarde. Shobendo. Ulemanko. Kojojo. Kishta. Attends, je l'ai doublé. Je l'ai doublé. Oh, je bats le record. Wouh. Oh non, mais pas, j'ai raté. Oh non. Je détiens toujours le record, on dirait. Je m'attendais à mieux de ta part. Qu'est-ce que t'en penses? Tu retentes ta chance? C'est l'occasion de laver l'honneur de ta maison, si tu en as le courage. Tout ça pour rien. Bon, attends, regardez la vidéo live chat qu'il a mis. Attends. Merci. Putain, je regardais TPMP, je suis d'offla là. Attends. C'est bon, regarde un extrait. La frappe du quartier est approuvée. Bon, je vais pas vous mentir. Faut que j'y aille. Et honnêtement, ne pas faire cette mission course, ça me va. Donc attends, je vais gentiment lui dire, je ne préfère pas. Je n'ai pas envie de voler pour l'instant. Ça me va de finir sur le cocaïnoman. Je vais graille, entre autres. T'es bourré? Ben non, je vais pas vous bourrer, regarde. Si je fais ça, ben c'est pour voir si j'en rigole ou pas. Je vais pas bourrer. Là, vous applaudissez. Oh putain. Le short. Vous voulez quoi avec mon short? Il est très bien mon short. Hop. T'as une jupe là? Eh, cassez-vous, je me mets pas en caleçon. Bon les gars, la question c'est... Est-ce qu'on rejoue au jeu en live? C'est ça la question, parce que moi, je m'amuse un peu dessus, mais en même temps, waouh, il y a des temps morts, hein. Il y a des temps vides, hein. Donc bon, si vous voulez pas, je peux comprendre. Ouais, y a que des noms. Bon, Hogwarts. Le jeu est trop bien en live. Un truc, c'est qu'on peut parler et tout, c'est cool, mais... Ou alors, JXP en off chez App. Au moins pour les VOD. Non, en vrai, ou alors... J'y joue toujours, mais... On fera d'autres lives. Parce que là, cette semaine... En vrai, ça, cette semaine, j'étais actif, je crois. J'étais pas en mode théorie cette semaine, j'étais HAL. Donc tranquille, en vrai... Je pourrais continuer d'y jouer et je ferai d'autres lives sur d'autres trucs. Genre là, si demain je live, ça sera pas du Hogwarts, quoi. Vous en faites pas. On fera le truc avec Pota, là, le Zuzgou. J'ai oublié le nom. Oh putain, il y a Rémi. La question est-ce qu'on a envie de raid Rémi Tennis? C'est ça le problème, en fait. C'est ça le vrai débat du soir, là. Le débat qui dérange les Français depuis quelques mois. Est-ce qu'on a envie de raid Rémi? Ouais, voilà, oufou. Je crois que les gars, je vous envoie chez Rémi, malheureusement. Hein. Pour le meilleur ou pour le pire. Carré, ça fait une annonce live pour rien. Arrête, si on rejoue.